his hand, you know, make the, yeah, the draw, and put off the stone around, okay, around the draw. Okay? Okay? So you can make anything you want. En fait, c'est des rochers anti-migrants, quoi. Personne ne veut l'avouer, mais c'est des rochers anti-migrants. Comme on met des pointes sur les bords des fenêtres des magasins pour pas que les gens viennent dormir, les SDF viennent dormir, bah là, on veut pas qu'ils s'abritent de la pluie. Donc on fout ça sous le pont. On est un groupe de tailleurs de pierre, de compagnons aussi, de graveurs, de sculpteurs. Et donc, on s'est tous passé le mot pour dire que bah, notre taf, c'était de magnifier les pierres et que c'était pas de s'en servir comme du barbelé ou des bouts de verre ou des trucs qu'on mettrait là pour chasser les gens. Voilà, on fait des belles choses dans des cathédrales, dans des choses en élévation, des choses pour protéger, des choses qui servent, des choses esthétiques avec la pierre. Pas ça, quoi. On n'est pas là pour juger l'action du gouvernement par rapport à ça, on est juste là pour dire non, ça c'est trop, ça. Foutez pas des pierres sur la gueule des vivants, quoi. On fait des pierres tombales avec, si vous voulez, mais pas sur des vivants, quoi. On va surtout se charger de les bouger, moi c'est ça qui m'intéresse, quoi. C'est pas trop de faire de la démo, mais c'est vraiment de bouger les pierres qu'il y a sous le pont. On a amené ce qu'il fallait, des bastins, des roules, et puis on va le faire à l'ancienne, voilà, avec des baramines. Avec ces blocs, il y a de belles pierres de Saint-Maximin qui ont été installées par la mairie de Paris dans l'attente d'un chantier éventuel pour le démontage du pont qui est sous nous. Mais il se trouvait qu'il y avait quand même des réfugiés qui dormaient là. Donc on a trouvé la situation un peu dégradante en termes d'accueil pour les réfugiés. On a le centre qui est à 200 mètres, sans hébergement, mais il manque 200 places. Vous avez beaucoup de réfugiés qui sont installés autour de cet endroit. Sur la question des réfugiés, beaucoup de gens se posent la question de savoir comment est-ce qu'on peut intervenir, comment est-ce qu'on peut aider. On n'a pas toujours les moyens de pouvoir accueillir des gens chez nous. Voilà, on n'a pas des grands appartements, on n'a pas, voilà, pas des salaires mirobolants. Mais quand on a vu ces blocs de pierre, on s'est dit que nous, on pouvait intervenir sur ces blocs. Voilà, et comme on est attaché à la symbolique de la pierre, on s'est dit que la pierre, elle était, pour nous, bâtisseurs, elle était davantage symbole de partage, d'échange, un truc un peu universel, plutôt que cet aspect montage de murs, comme ce que veut nous faire Trump avec le Mexique, enfin voilà. I like big one. I want big one. I like the big one, the big pencil. Big pencil, yes. If you finish, we write together. I need more time to finish this one. I need like 2 hours. But if you help me, if you help me, no problem. We're just 1 hour. No problem. 3 hours, no problem. I'm from Afghanistan, but born in Iran. I'm 4 months. My job in Iran is good. I like it because it for a heart. Stone is cold. After work, after making, for example, flower, is stone is hard, is warm. Yes. Yes, me. Let's see. Me. Yeah. In city Tehran. In my system working in tools electricity. Okay. First, I need a connection because I'm human. I'm non-dangerous. Really, really important in lesson because I can't connection with people. Don't. Information about me. Je me mets là-dessus. Ouais.
Bienvenue sur le chantier. C'est très bien. La pierre, c'est un matériau qui a des millions d'années. D'accord ? On va extraire de la terre pour la transformer, pour lui donner du sens. Ça fait des milliers d'années qu'on utilise la pierre pour bâtir. Et il y a une dimension d'éternité, une dimension symbolique qui est très très forte. Et nous, qui sommes que de passage, on va transformer cette matière qui a des millions d'années pour lui donner du sens. Et même si c'est juste une petite pierre taillée sur un édifice qui est du XIIe siècle, et ben on va s'inscrire dans une chaîne ininterrompue de siècle en siècle. Faire corps avec la pierre, avec la matière, par le biais de nos outils, transmettre une idée ou une intention dans ce matériau-là, et bah voilà, nous ça nous suffit. Donc c'est ce qu'on essaye de faire ici finalement. On va pas construire ici, on va pas transformer ces pierres en bancs, ou c'est pas l'objectif, hein. Mais leur donner, redonner du sens. Voilà, c'est par notre intervention que la pierre va devenir un symbole qui va parler à énormément de gens inconsciemment. Voilà, donc c'est notre petit boulot. Voilà, très modestement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui.